Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Bagar Live, le live où on fait du Dead Gun. Dead Gun. Et on continue nos aventures. Alors qu'on va chercher du silicate. On dirait bien que j'y suis. Reste à trouver du silicate. Par ici, peut-être. Je devrais pouvoir monter par là. Ouais, c'est ça. Du silicate. Ça fera l'affaire. Je reconnais un qui savait pas se garer. Est-ce que je peux la pousser? Je peux essayer, en tout cas. Dès que je vais essayer de la pousser, il y a un gamin qui va me tomber sur le rab. Allez, ma grosse. Ouais. Merde, il y a de l'alarme derrière. D'accord. Les gens gardent vraiment leur voiture n'importe où. C'est bon, on a compris. C'est louche, y a pas plus de pièges que ça? De la viande fraîche. C'est quoi ce loup? Putain, il est plus vénère à ce moment-là. Vous me recevez? J'ai le silicate que vous vouliez. Caporal St. John? Oui, je vous reçois. Je suis en réunion avec le lieutenant Weaver. Caporal St. John, quand est-ce que vous pourrez repartir en mission pour moi? Je sais pas. Weaver. Caporal, venez me voir quand vous serez de retour sur l'île. Terminé. Mais foiré de Weaver. Non mais qu'est-ce qu'il fout? Hey Doc, vous êtes là? C'est le caporal St. John pour le docteur Jiménez. À vous. Oh St. John, comment va votre bras? Bien, bien. C'est grâce au baume que vous m'avez filé. Ça marche. Impec. J'en jugerai moi-même. Dites, j'appelais... Enfin, je voulais vous demander, vous connaissez bien le lieutenant Weaver? Le lieutenant Weaver? Je le connais, mais pas plus que les autres officiers. Pourquoi? Je sais pas, c'est juste que... Je fais des sorties pour eux, pour le lieutenant Whittaker, et... Lui,
J'ai l'impression qu'il... Je sais pas, qu'il passe son temps à la coller, bref. Ça me plaît pas. Le lieutenant Whittaker sait se débrouiller toute seule. Écoutez-moi, St. John. Le colonel ferme les yeux lorsque les officiers chahutent. À votre place, je m'en mêlerai pas. Ok, Doc. Et vous en faites pas pour le lieutenant Weaver. C'est pas un saint, mais j'ai vu pire. Terminé. Mais notre relation n'était pas secrète. Je comprends pas. Les ellipses temporelles, des fois, c'est un peu trop. Quoi. Pris le bord du mur et la moto a pas aimé. On a quoi, 40%? On va se calmer un peu sur les cascades et... Embuscade de sniper, oh bordel de merde. Ouais, mais d'habitude, quand tu me dis ça, je suis en train de me faire tirer dessus. Et là, il y a personne. Ça de plus près. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Jeter un coup d'œil dans le coin.
Voyons ce qu'on a ici. On avance. Dans le coin, il y a que des tueurs, des pillards et des drifters. Besoin d'aide. Alors, on approche. Par ici. Aidez-moi. Je me replie. Couvrez-moi. Replie. Tiens, t'en veux? Cette fois, je te tiens. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oh là là. Attends, attends, j'arrive. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Un camp ? Il a toujours la même tête, ce... Montre-moi, s'il te plaît. J'y vais, j'y vais. Il y a un camp militaire vers Diamond Lake. Il faut demander courir. Oh, putain. C'était la fin pour moi. Merci beaucoup, mec. Merci. Ouais, donne-leur mon nom. Deacon St. John, ils me connaissent. Évite les routes principales et t'arrête pas. Cours comme le vent. On n'en aura plus besoin. Ok. Utile. Ma moto.
Où c'est de beau fort où j'ai que ça aujourd'hui. Tout ça, je change ma femme et souvent. Juste pour garder la ligne. Zut. J'ai envie d'un gonfler. Ah ouais. Cap, hé, hey, t'es nouveau? Moi c'est Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John, ouais, je viens d'arriver. Ah, ok, cool. Hé, hey, écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit pour ta moto, viens me voir. Entre nous, Lucas, le Canadien à Diamond Lake. C'est un escroc. D'accord, je m'en souviendrai. T'as aucune augmentation? Caporal, à bientôt. Oh, Caporal, hé hey, toi, je t'ai encore jamais vu dans le coin. Moi, c'est Jacob D'Angelo. Mais on m'appelle Dee. St. John, Deacon. Alors, c'est toi le fournisseur de matos, ici? T'as tout compris, vieux. Tu veux un flingue? Je l'ai. Si j'ai pas ce que tu cherches, c'est que ça existe pas. Génial. J'essaierai de m'en souvenir. Salut, Caporal. Hey, t'éloigne pas de ton flingue, tu m'entends? Bonjour, Caporal. Salut, Sergent. Pas de problème. Caporal, faites attention à vous, d'accord? Oui, mon lieutenant. Weaver, ça peut plus durer! Quoi? Vous avez peur de la concurrence? Dehors! Il y a un problème? Madame? Juste une discussion amicale, Caporal. Lieutenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste que Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Ah, il fait chier! Ouais, il fait chier, tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition, la con. Mais formulaire de... C'est ça que tu crois, en vrai? Voulais... Que tout ce que je fais, c'est brasser du ça, vent? Non. Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Pour toi? Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants. À la chaîne et de près, de si près, que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors si tu bosses sur un truc qui permettrait tous les buter à la fois, putain j'en suis! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi? Donne-moi l'ordre, chef. Deacon, attends. Excuse-moi, d'accord? Écoute, j'ai besoin, juste... Merci. Ton aide m'est précieuse. Oh putain, le niveau 2, on va pouvoir acheter une nouvelle arme. On va avoir une nouvelle mitraillette. Au roi de la gâchette. J'ai pas dit con. St. John, vous êtes là? Ouais, allez, je suis là. C'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition? Vous bossez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais, ouais. Enfin, oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez?
Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Chemult. Pas près d'un château d'eau. Vous pouvez le trouver ? Je vais pas. Écoutez, je me charge du camion, ok ? Vous aurez votre polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Tu failles oublier d'acheter les armes. On va écouter le vieux. J'aime bien les fous psychopathes religieux. Ouais, fais-moi un câlin, bacabot. D'entre vous sont avec moi depuis le début. M'ont écouté quand j'ai prédit l'avènement de la peste divine. Ont fait le pèlerinage avec moi jusqu'à cet endroit. M'ont aidé à bâtir cette arche. Mais que vous soyez des nôtres depuis le début, ou que vous ayez rejoint nos rangs seulement aujourd'hui, vous faites maintenant partie de cette grande aventure. Vous faites maintenant partie de notre mission visant à sauver l'humanité. Je tiens à vous rappeler, à vous qui quittez cette enceinte pour accomplir votre devoir, que nous sommes toujours à la recherche de documentation digne d'être conservée au sein de l'Arche. Nous cherchons des livres de cours, des manuels en tout genre, des encyclopédies, des disques et autres supports. Le lieutenant Weaver a fait une liste des livres de chimie qui pourront nous servir. Le lieutenant Whittaker a fait une liste des manuels de biochimie, génétique et biologie dont nous avons besoin. Le capitaine Jiménez a fait une liste des livres qui nous apporteront l'enseignement nécessaire en médecine, anatomie et chirurgie. Le sergent Tomlinson a fait une liste de livres traitant de construction routière et de génie mécanique. Et le capitaine Hawkins est toujours à la recherche de documentation sur l'agriculture et l'hydroponie. Alors, quand vous partez en mission à l'extérieur, pensez à regarder si vous voyez ce genre de choses. Apportez votre contribution, aidez-nous à remplir l'arche. Rompez. En vrai, il suffirait d'aller à l'école. Elle doit avoir une médiathèque. Putain, mais j'ai encore failli oublier d'acheter des armes. Reste pas là, l'ami, reste pas là. Caporal Deacon St. John. Sergent, comment ça va? Putain, le cobalt. Ça, c'est du flingue. Ouais, mais je suis pas sûr bien vu, c'est du putain de matos, ça. Eh, t'as le droit, c'est dans le deuxième amendement, c'est pas vrai? Ah oh, ouais, j'en ai un aussi. Bon matos. Ouais, mais on va rester à l'arbalète. Même si c'est tentant. Ouais, ok.
Hey, Caporal St. John, on se voit plus tard. Ok. Dick, monsieur le caporal. Il faudra que tu retires les... Ah, je vais arrêter de dire faire des bugs. On va arrêter, faut pas. St. John pour Whittaker. Caporal St. John, oui. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, Caporal St. John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges. Je fais que mon boulot, colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide. Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie. Mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver est... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des progrès similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... Désolé, je dois y aller. Caporal St. John, ici le colonel Garrett, au rapport. Oui, chef. Oui, caporal. Nous avons une urgence. Un soldat, un officier, a déserté. Un officier ? Un traître de la pire espèce. Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. Il a été repéré sur la circulaire du sud. La moto volée à un réservoir bleu. Trouvez-le, caporal. Oui, chef. Par à sa poursuite. Caporal, ramenez-le vivant. Vivant, colonel ? Nous allons le pendre, caporal. Il servira d'exemple à ceux qui croient pouvoir se soustraire au règlement de la milice. Qui se croit au-dessus des lois de Dieu. Oui, chef. Rompez, caporal. T'es obligé de te prendre le premier coup ou quoi? Pas drôle. Oh. Y a rien de tel que la ferraille. Et plus de ferraille. Thank you.
Bon. Reste plus qu'à trouver le matos pour Weaver. Du polystyrène. Où il est, ce putain de nez? Hey, salut Matt. Bienvenue sur Backyard Live. Encore. J'espère que tu vas bien cette petite après-midi. En voilà. Ah merde, attendez, il y a un nid, merde. Moi, j'avance comme un con. Loin d'un nid, je le sens. Juste un peu plus. En voilà un autre. Brûle, saloperie. Là, un autre nid. Allez, au feu. Au feu, au feu. Les pompes. Brûle. Ça devrait suffire. Je vais marquer l'emplacement sur ma carte. Coury, on verra des hommes pour le reste. Bon. Il faut que je dégage d'ici, avant de tomber sur une horde. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai un petit peu l'impression. Encore un nid. C'est parti. Et chaque fois qu'il m'envoie quelque part, il y a ou un nid, ou une horde. Hein. Des fois les deux, non. Putain d'hurleur! Ça peut m'être utile. Oh bordel. Bon, autant jeter un coup d'œil. Ils sont installés là, c'est quoi?
Des fois, t'as l'impression que tu peux bloquer totalement le jeu, des fois. Ouais, vous voyez, ouais, tu peux pas. Faut que tu fasses. Donnez une bonne raison de beugler. Tu parles, gamin. Et voilà. Faut pas hurler comme ça, tu me réveilles et tout. C'est ça. Alors là, le jeu voudrait que tu fasses le tour du bâtiment. Elle est tout droit. Hein.